Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui à côté nous pour tout ça qui a dominé l'actualité football là pour côté selon journal ça. Et bien Paris Saint-Germain qui prend faire un offre pour Lionel Andrés Messi qui parle en fin contrat avec FC Barcelone. Et bon côté par les gains Lionel Messi aujourd'hui là qui a égalé un gros record de Pelé lui-même qui était fait avec Santos. Bon côté par les Messi de Zidane qui sont en fil de l'équipe Real de Madrid là aujourd'hui, il va jouer un match qui va vraiment la décisif pour lui. Et bien si Zidane t'a vint quitter Real de Madrid et mettre ensemble avec l'autre club qui vraiment intéressé ensemble avec lui. Bon côté parler de jouer pays l'Italie, nous prenons les Kounia avec l'équipe Juventus là que soupçonné dans l'affaire Suarez qui doit passer test à mes amis examen italien. Et dans le pays l'Angleterre, José Mourinho, encore une fois mes amis, il tacle l'autre entraîneur surtout Pep Guardiola et pourquoi pas Jürgen Klopp. Et nous prenons le pays la France côté équipe olympique de Marseille, il continue à enchaîner victoires consécutives. C'est une vidéo qui vient tout ça qui a dominé l'actualité football là pour aujourd'hui en apprenti pour tout petit Antoine Kossan qui va venir avec plus de détails. Commencer les vidéos pressées dans le pays de la France avec l'équipe qui mettait à la une 1.7 tour. Définitivement, l'équipe olympique de Marseille qui gagnait à Nîmes et qui mettait en pression sur Paris Saint-Germain côté que l'équipe ça qui a un match en retard et qui a seulement un point de Paris Saint-Germain. Journal qui continue pour le cap argumenter son cinquième succès d'affilée en Ligue 1 ramène provisoirement l'Olympique de Marseille à une longueur du Paris Saint-Germain qui se déplace ce soir à Montpellier. Avec leur match en retard, les Marseillais mettent la pression sur le Paris Saint-Germain. Bon côté parler pour le journal local là qui c'est la province, ils mettaient à la une l'OM déroule en Ligue 1. Pour le journal la Marseillaise, ils mettaient à la une face à Nîmes, la confirmation. Troisième victoire en 6 jours pour les Olympiens, un regain de confiance avec d'affronter Manchester City en Ligue des Champions mercredi. N'a pas bloqué s'il t'arrive de faire victoire face à Manchester City même qui a qualifié pour la Ligue Europa. Pour aller connaître le pays l'Italie avec le journal Tutto Sport même qui lance le derby turinois aujourd'hui à la qui mettait à la une, c'est plus qu'un derby. Définitivement aujourd'hui à la Juventus de Turin à midi dans le pays d'Haïti qui va gagner pour jouer la qualif face à l'équipe Torinoa. Et bien l'équipe Juventus de Turin qui t'a supposé prendre point ça mes amis pour monter dans le classement ça puisque actuellement les 4e. Définitivement t'as supposé réserver quelques joueurs puisque le gagnant dans la semaine qui va venir là, il va affronter le FC Barcelone dans le duel pour prendre point place dans le classement dans la Ligue des Champions. Pour te parler du journal de sport, il fait connaître que la Juventus de Turin est vraiment indexé dans le dossier Suarez qui a passé test italien dans le pays l'Italie. Définitivement son jeune était dernier là, donc il a passé test ça pour décarbouger une équipe Juventus là. Mais selon la presse, donc il a vraiment indexé l'équipe Juventus là sous thème de fraude de fait avec Luis Suarez. Mais c'est vrai que la communication orale n'est pas vraiment bon, mais quand même, l'examen était vraiment passé là avec succès, donc ça qui fait une fraude dans l'examen si là. Pour te parler du journal Gazette de Sport, il mettait deux matchs qui va gagner pendant la journée ça à la une. Et c'est de Milan qui parle en obligation pour gagner la qualif face à Bologne pour approcher un peu plus de Milan à Céline qui est en tête classement. Et pourquoi pas Ronaldo lui-même qui est au rendez-vous puisque lui-même là t'a supposé par l'équipe Juventus de Turin 3 points ça pour retirer la 4e place dans le classement si là. Toujours dans le pays d'Italie, c'est le journal quotidien sportif, mais définitivement Anneli qui est à penser avec Zinedine Zidane pour entraîner l'équipe Juventus de Turin. Mais c'est le journal ça résultat, Andrea Pirlo, équipe Juventus n'a pas rendez-vous, mais définitivement Zinedine Zidane qui a vu remplacer au cas où il a vu quitter Real de Madrid la semaine qui va venir là. Et nous avons retourné avec le journal Tutto Sport même qui mettait à la une Giroud lire les comptes. Définitivement, l'équipe Inter de Milan qui était vraiment intéressée, mes amis internationaux français, nous connaissons qui était inscrit en quadruple pour la semaine ça. Définitivement, il fait connaître que la déclaration que tu fais par la presse, il fait connaître que l'équipe Chelsea a ligué 3 petits temps de jeu. Définitivement, l'équipe Inter de Milan qui était vraiment intéressée ensemble avec le mercato qui s'est passé là, donc il a réactivé Pissi là pendant le mercato qui parle vini là. Juste avant de nous répondre dans la vidéo, ça, mes amis, qui te pose une question. Est-ce qu'on met un like en bas de la vidéo ça déjà? Si vous voulez ça, qui sera obtenu de mettre un like, qu'on en bas de vidéo ça, ça va vraiment encourager de monter plus de vidéos pour vous. Et pas oublier de vous faire venir ensemble avec nous, inviter pour faire partie des familles ça. Cliquez sur le bouton, je vais vous inviter pour vous abonner et activer la notification pour ça chaque jour pour recevoir toute sa carte dominée actualité football. Et nous parlons d'un pays, l'Angleterre, avec la Daily Star qui mettait à la une des bébés qui pleurent. Définitivement, nous avons Guardiola avec Jürgen Klopp qui toujours à plein pour calendrier, faire connaître qui trois séries pour jouer. Mais c'est un journal ça, donc ce sont des bébés qui a pleuré puisque José Mourinho lui fait qu'on est que elle lui-même l'a joué 4 matchs en seule semaine pour qu'il ne savent aucun monde qui défend ni. Et définitivement là, monsieur fait qu'on est négo pas les trois dans la presse. C'est un bagage ça que Daily Mirror lui mettait à la une pour mettre Cry Babies. C'est un journal ça, mais José Mourinho qui tacle encore une fois mes amis avant match, il parle jouer face à Arsenal pendant le week-end ça. Donc il fait qu'on est que mais pendant que je joue 4 matchs en seule semaine, aucun monde pas jamais défendre moi, aucun monde pas jamais parler pour moi. Et puis nous étions à plaigner pour qu'on joue 2 matchs, 3 matchs pendant une semaine. Et bien des special one, nous pas suspendre faire belle déclaration dans le pays de l'Angleterre pour qu'on chauffer le championnat. Bon, on parle de Guardiola, affiché choc qui parle pendant le week-end en Tottenham avec Arsenal. Il
Il fait qu'on est que depuis 1962, l'équipe Tottenham qui toujours plus fort a une raison sur Arsenal. Et demain, si Dieu veut, à 11h30 dans le pays d'Haïti, si vous arrivez avec une raison sur Arsenal, il a pris la fuite dans la tête classement de la première ligue. Nous parlons avec Jonas Sa, qui est ESPN qui fait qu'on est que Paris Saint-Germain a vraiment une grosse considération pour l'appel du pied que Neymar Junior a fait par Lionel Andrés Messi. Jonas a fait qu'on est que l'équipe Paris Saint-Germain a pris ça avec grosse considération puisque pendant semaine ça, donc il a fait contact avec Lionel Andrés Messi. Vous avez les photographes signés ensemble avec lui pendant l'été qui prend le vini là. Il y a un bac qui est vraiment favorable puisque nous connaissons une crise économique dans FC Barcelone. Donc il n'est pas capable de payer le joueur. Mais définitivement, Paris Saint-Germain a fait un gros off by Lionel Andrés Messi pour qu'il vienne jouer aux côtés de Neymar Junior. Il va nous assurer de très près puisque mes journalistes ont fait connaître que Paris Saint-Germain est mis à entrer en contact avec l'entourage joueur ici là. En parlant de Lionel Messi, nous avons entré en espace avec le journal Mundo Deportivo qui mettait à la une pour Pelé. Définitivement, après que Lionel Messi était pris en repos pendant la semaine, ça, donc je dis à la fin retourner jouer pour l'équipe FC Barcelone. Lui-même qui a crasé un record de Pelé, lui-même qui a marqué 643 goals avec Santos, et définitivement, lui-même qui a marqué 643 goals avec FC Barcelone s'il est arrivé à marquer un doublé pendant le week-end. Ça. Et bien, Lionel Messi qui a arrivé égaler le record ça, déjà pendant le week-end. Ça. Mais ce journal, ça a toujours mes commandes qui demandent l'équipe là pour gagner tout match gagné pendant 2020 ça, pour qu'il ait été en l'air dans le classement dans la Liga. Bon côté par les journalistes qui se sportent et mettent à la une que la fête continue. Définitivement, l'équipe FC Barcelone sur 3 derniers matchs qui marquait 11 goals et qui n'a encaissé aucun green goal du tout. Mais définitivement, il fait qu'on est que le temps de continuer avec série sans photo. Mais si Ter Stegen continue même pas retourner avec l'équipe ça après que tu prends repos pendant la semaine ça pour Ligue des Champions. Et bien je dis à la, tous les 3 joueurs ça parle au rendez-vous pour FC Barcelone. Bon côté par les journalistes sportifs qui mettent à la une un sentiment positif. Le fait qu'on est que Barcelone qui va chercher victoire ça dans ville Cadiz pour le cap qui met la foi dans la Liga. Et pourquoi pas approfondir l'amélioration que vous gagnez pendant la semaine ça que vous montrez pendant les derniers 3 matchs que vous avez joué là. Et on a toujours été en Espagne avec Jonas Macalien qui reprend des déclarations de Zinedine Zidane dans la conférence de presse. Zidane qui fait qu'on est que on va s'en sortir et nous pourrons sortir nous vraiment serein dans la situation ça. Mais quand même Zinedine Zidane fait qu'on est que lui pas considéré intouchable dans l'équipe Real de Madrid là. Mais je dis à la face à Séville, mes amis, à 10h15 dans le pays d'Haïti, donc Zinedine Zidane qui n'a pas de droit à l'erreur. Il y a qui beaucoup de parle qui fait qu'on est que vous connaissez qui Real de Madrid capable de bail. Beaucoup de parle des journalistes Arsenal qui mettait à la une des déclarations de Zidane qui fait qu'on est que les sentit vraiment fort. Mais quand même, il connaît qui bolie je dis à la situation est vraiment critique. Mais quand même, si Zinedine Zidane sentit vraiment fort dans l'équipe Real de Madrid, mais quand même, la fois qu'on est que pendant le week-end, ça, il n'est pas capable de compter avec Sergio Ramos, bien que l'entraîné même pas voyager. Les Mariano Diaz et pourquoi pas Jovic même tout qui pas capable de jouer. Mais quand même une très bonne nouvelle pour l'autre équipe Madrid là qui c'est Atlético de Madrid qui va gagner retour de Luis Suarez. Il a été testé positif au Covid-19 qui était dehors terrain mais définitivement donc il pas capable rejoindre groupe à Simeone pour affronter pendant ce semaine ça mais équipe Valladolid là. Mais Simeone qui a supposé préserver quelques joueurs puisque nous connaissons pas de qualification Ligue des Champions face à Salzbourg dans la semaine qui va venir là. C'était vraiment un plaisir pour nous débattre de tout ça qui a dominé l'actualité football là pour pas oublier sur remettre travail nous à faire mes amis partagez au maximum que capable aller sur toutes les réseaux sociaux sur Facebook etc. Pas oublier mes amis préparez vous pour tout qui ça semble qui essentiel parce que nous qui joue nous sur terre nous par contre qui joue nous pour aller que t'as pas nous à la prochaine pour la vidéo que bon Dieu bénisse chaque monde qui t'a regardé vidéo ça.